This talk will be in French, so I apologize. After much debate, we decided to settle to French because we present the French localization. But I can announce right now that I will subtitle and translate this talk as soon as possible. So if you're interested, come check in a few days and you'll have subtitles. Donc maintenant, je vais passer en français. On va vous présenter ce qu'est la localisation au sein de Debian. Et d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est la localisation. Donc c'est un terme dont on n'entend pas souvent parler en dehors du cercle de la localisation. En gros, ça consiste à faire de la traduction, mais c'est de la traduction avec un petit peu plus de choses cachées. C'est-à-dire que en plus de juste traduire tout simplement... Merci. Donc, où en étais-je? Oui, on ne fait pas que traduire littéralement... C'est bon. De l'anglais, en l'occurrence, puisque c'est la version originale, vers le français. Mais on essaie aussi d'adapter tout simplement au contexte, à la culture francophone ou française. C'est quelque chose qu'on abrège en L10N, donc c'est localisation ou localization. Il y a un L, 10 lettres, et puis un N. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez souvent ce terme, et c'est un concept qui est proche de l'internationalisation, le I18N, qui est l'autre pendant, c'est-à-dire préparer du contenu à être facile à traduire, à localiser dans d'autres langues. Vas-y. J'en finis. Alors pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire tout ça? Tout simplement parce que ça permet à Debian d'être accessible à des utilisateurs qui ne parlent pas nécessairement anglais. Ça tombe bien puisque, comme le dit le contrat social, la priorité de Debian, c'est quand même ses utilisateurs. Mais on oublie souvent de dire que c'est les utilisateurs présents et futurs. Or, pour attirer de nouveaux utilisateurs, rien n'est pire quand on est grand public que de tomber sur un système qui vous parle anglais. Certains connaissent peut-être l'image, quand un ordinateur parle anglais, c'est qu'il est très énervé. Alors nous, on sait que ce n'est pas le cas, mais voilà, pour le grand public, c'est le cas, donc c'est important qu'on ait un système le plus internationalisé possible, et donc en français. Et puis, ça a aussi un apport pour soi. Et je crois que c'est important de le dire pour ceux qui voudraient contribuer à cet effort, parce que ça permet à chacun qui contribue d'apporter de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, tout simplement, en découvrant notamment... tous les aspects du projet Debian, parce que la traduction est extrêmement diversifiée, on le verra tout à l'heure. Ça permet aussi de découvrir des projets en amont et leur fonctionnement notamment, et puis de contribuer à son rythme, parce que ça permet du coup de tranquillement participer à telle ou telle chose, sans que ça soit forcément d'ailleurs continu au début, et donc d'être à son rythme. Et puis enfin, ça permet de improver son English, parce que quand on traduit, on finit par parler un peu mieux anglais à la sortie quand même, au moins l'écrire et le comprendre, et donc ça permet d'améliorer son anglais, ce qui est pas négligeable. Et tout ça, c'est permis par justement le périmètre des traductions qui est assez important, comme on va le voir. Donc maintenant, le périmètre, déjà il y a les paquets, c'est logique, c'est un peu la base de Debian. Donc il y a les paquets qui sont déjà développés par Debian pour Debian, notamment DPKG, Aptitude, tout ce genre de paquets, c'est logique. On a aussi les écrans de configuration DebConf, donc c'est les petits écrans que vous avez, un exemple avec Exim. Quand vous installez le paquet, vous avez cet écran qui arrive et qui va vous dire est-ce que vous voulez avoir les alertes locales. Voilà. C'est un paramétrage pour l'installation. Par défaut, c'est en anglais. Nous, notre travail, ça va être de le traduire. Et là, vous pouvez remarquer que c'est quand même... Là, vous avez sur 3 lignes la version en anglais. Et dès que nous, on va le traduire en français, de suite, hop, on passe sur 4 lignes. Parce que le français est quand même très riche. Donc, de suite, ça va commencer à amplifier les écrans de configuration. Donc, désolé s'ils sont trop grands. Mais on essaye au maximum de les faire succincts, mais qui respectent vraiment aussi la source. Qu'est-ce qu'on traduit aussi? Les annonces. Toutes les annonces qui sont présentes sur la mailing list Debian News French, telles que toutes les publications de Debian, les DPN et tous les autres types d'annonces.
Donc voilà, tout ce que vous voyez passer là-dessus, bah, c'est passé par l'équipe. Et aussi le site web. Donc il y a quand même 10 000 pages sur le site web, on ne dirait pas, hein, mais ça fait beaucoup de monde. Et c'est traduit à 90%. Donc on en a qui contribuent dans la salle énormément au site web. Et donc il y a la partie statique habituelle qu'on voit du site, la page d'accueil et toutes ces pages-là qui, elles, ne changent pas très souvent. Mais après, il y a aussi voilà, Publicity, les annonces de sécurité, DSA, DLA. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu du monde. On en parlait hier avec l'équipe de traduction pendant le sprint. Ça serait entre 300 et 500, 600 par an. Donc c'est vrai que ça fait du volume, 1 à 2 par jour. Et c'est un travail qui pourrait paraître un peu rébarbatif en plus. Donc il faut essayer de trouver de la nouveauté en faisant ces paquets-là, enfin en faisant ces traductions-là. Et là, récemment, justement, il y a eu aussi les programmes des candidats au DPL. Donc ça a été un peu un petit sprint pour l'équipe. Ils ont été plusieurs à vraiment bien contribuer là-dessus et à essayer de fournir à tous les contributeurs, à tous les gens qui pouvaient voter dans Debian, à avoir une version française du programme et après aussi du résultat des votes. Donc ça va être un travail sur un très court terme, assez intense. On traduit également tout ce qui est documentation parce que c'est très important pour les utilisateurs. Donc évidemment, on traduit la documentation qui vient avec les logiciels spécifiques à Debian. Un sujet qui est presque d'actualité, on est en ce moment même en train de traduire les notes de publication. Tout ce que vous allez découvrir en installant Buster, si ça vous intéresse d'avoir une avant-première, vous pouvez venir nous aider. Moi, par exemple, je sais tout ce qui m'attend comme potentiel problème quand je vais migrer. Donc, c'est intéressant d'avoir une petite vision d'avance. Mais aussi, tout le reste, la référence du développeur Debian, par exemple. Donc, c'est aussi une bonne façon d'en apprendre plus sur comment se construisent les paquets, qu'est-ce qu'on peut faire. Aussi, il paraît que dans Debian, il y a des paquets. Je dirais même qu'il y en a un paquet. Et ces paquets, ils ont une description. Donc avant d'installer quelque chose, vous vous renseignez quand même sur ce que vous allez vouloir installer. Vous faites un petit apt search, vous voyez des choses qui peuvent vous intéresser. Apt show, qu'est-ce que c'est? Et là, vous avez une petite description et une description un peu moins petite. Et on essaye... avec plus ou moins de réussite, de traduire toutes ces descriptions. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a à peu près 59 000 descriptions actuellement. Et en français, on en a... 18 000. Voilà. Donc, il y a enfin, 19 000, 18 000, 19 voilà. 000 à peu près. Il y a encore du travail, sachant que, un petit peu comme pour le site web, c'est une cible mouvante, parce que les paquets, quand ils sont mis à jour... forcément, les descriptions qui vont avec sont mises à jour également. Donc actuellement, on a un petit peu de répit parce que c'est le gel, donc il y a un petit peu moins de mise à jour de tout ça. Mais on sait que dès que Buster sera sorti, tout le monde va rebalancer des choses dans Unstable, et alors là, on va être complètement submergé. Donc ça, on va présenter un petit peu le processus de traduction tout à l'heure. On précise ici pour la description de paquet parce que ça se fait un petit peu à part. Il y a un outil qui s'appelle le DDTP, et qui a également une interface web, le DDTSS. Ça fait typiquement partie des choses qui peuvent vous prendre juste 5-10 minutes par jour. Vous inscrivez, vous allez regarder les traductions en cours, vous lisez une description ou deux, vous dites oui, c'est bien, non, c'est pas bien, t'as oublié un point virgule ici, et puis c'est fini. Et puis ensuite, si vous êtes très motivé, vous pouvez y passer quelques heures dessus. Ça dépend. Alors, même si on aimerait bien, on ne traduit pas tout. Et on n'essaye pas de tout traduire. En particulier, on ne traduit pas les logiciels qui sont déjà traduits en amont, parce que ça ferait un petit peu de redondance. Et puis, mine de rien, on est quand même bien occupé avec tout ce qu'on a déjà à faire. Donc, voilà le genre de programmes qui sont pas traduits par nous. Ça va être Mutt, Firefox, wget... Beaucoup de choses. Mais des fois, dans certains cas, il y a des exemples qui contredisent la règle tout le temps. Unattended en fait partie, par exemple. Ce n'est pas un paquet Debian, c'est un paquet qui est externe. Il est hébergé sur GitHub. Récemment, j'ai fait l'upload de la traduction directement sur GitHub.
Donc là, c'est vrai qu'on va, on va un peu squeezer tout le process habituel, on va dire, de Debian. Nous, en traducteur, on va utiliser quand même la mailing list pour se coordonner, pour la relecture et compagnie. Mais après, ces paquets-là ne sont pas développés pour nous. Nous, on s'en sert effectivement sur Debian, on est bien content. Et MainPages aussi, c'est un très bon exemple, parce qu'il y a du travail pour les pages de manuel. Ouais. Alors, pour détailler un petit peu pour les pages de manuel, il y a un projet interdistribution qui s'appelle Percamon, qui essaie de faire la traduction en français de ces pages-là, qui a eu un petit peu moins de succès dernièrement, il n'y a eu plus beaucoup d'activités. Et en fait, c'est un de nos collègues de l'équipe de traduction qui est allé les voir et a dit bah, « Vous en êtes où? Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» et tout ça. Et bah, il me semble qu'on lui a plus ou moins donné les clés du dépôt Git. Et voilà. Et comme je suis allé lui donner un coup de main, il m'a également filé les clés du dépôt Git. Et du coup, sans le vouloir, on est devenu notre propre upstream. Donc, c'est des choses qui arrivent. Faites attention quand vous allez demander des nouvelles aux gens. Des fois, on vous file les clés du truc et puis on s'en va. C'est avec ça comme difficulté, mais il y en a beaucoup. Ça fait partie des difficultés, effectivement, que rencontre une équipe d'internationalisation. Effectivement, cette question du périmètre, où on commence, où on s'arrête, est une première difficulté. Une autre difficulté récurrente, c'est aussi des débats sur l'homogénéité des traductions. Parce qu'évidemment, comme on est nombreux, enfin nombreux, pas tant que ça d'ailleurs, mais malgré tout, on est plusieurs. Donc, du coup, on finit par quand même traduire avec sa sensibilité parfois. Et puis, il y a quelques débats qui sont un peu d'ordre de l'Académie française. Est-ce qu'on met des tirets? Est-ce qu'on met des espaces insécables? Des points médians? Des choses comme ça. Et évidemment, en plus, à chaque fois que l'équipe s'arrête sur une position, bah, ça veut dire qu'il faut s'arranger pour que tout le reste soit à peu près cohérent. Donc, autant dire que l'homogénéité des traductions est un vrai enjeu. Et surtout qu'avec les processus du coup, de relecture qui sont en place, et le nombre de paquets de choses qu'il y a à traduire au final, c'est une vraie difficulté. Quand on traduit d'autres, comme par exemple des paquets, une des joyeuseries aussi de l'exercice, c'est de s'approprier le jargon de certains métiers. Et par exemple, c'est très sympa de traduire des paquets sur l'astronomie, les maths, la bioscience, etc. C'est très sympa, surtout quand vous n'en avez jamais fait de votre vie, vous lisez des trucs. Là, j'ai eu OpenSSL, j'ai lu un truc, la elliptic curve. C'est un courbe elliptique. Bon, ça se traduit comme ça, paraît-il. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ne me demandez pas, j'en sais rien. Mais au moins, on traduit. Et puis, il y a aussi une vraie difficulté liée un peu au périmètre en matière de coordination. Parce que on peut se retrouver de temps en temps en décalage entre la personne qui a traduit et qui a proposé de le faire, le responsable du paquet dans Debian, donc la personne qui le maintient et qui, elle, ne s'occupe pas forcément de sa localisation, et les développeurs en amont, qui eux aussi peuvent avoir un décalage entre donc, la version qui est en amont, la version qui est dans Debian, la version que traduit le traducteur. Et bref, tout ça, ça demande une certaine coordination à plusieurs niveaux. Et cette coordination, ben, elle n'est pas toujours facile à assurer. Donc ça, c'est pour des difficultés qu'on gère aujourd'hui essentiellement par mail. C'est comme ça que s'organise le suivi de tout ça. Donc, c'est un robot, en fait. Hein. C'est un robot qui analyse en fait, les sujets qu'on lui envoie. C'est pour ça qu'ils ont une syntaxe particulière sur laquelle on reviendra un petit peu. Donc c'est un suivi qui nous demande de suivre bah, les traductions qui sont en cours, à quel stade on en est du processus de relecture. C'est l'objectif du robot. Son objectif, c'est aussi de montrer quand il y a une traduction à mettre à jour. Et pour nous, l'intérêt d'avoir un robot et donc de lui parler avec un langage qu'il comprend, bien ça nous permet de suivre plus facilement ce qui se passe directement depuis sa messagerie, ce qui là par contre est assez pratique, et de savoir où en sont nos propres traductions aussi. Donc ça implique tout un ensemble d'étapes qu'on peut détailler, qui sont traduites par une sorte de codification, alors qui paraît un peu complexe comme ça, mais ça après il faut la regarder ensemble, ça n'a rien de compliqué. Tout ce qu'on peut retenir à ce stade, c'est qu'il y a différents stades d'un processus. Une étape, on va dire, où on lui dit, je ne sais plus qui c'est ça, vas-y, du coup. Alors, Alban va hop, switcher, voilà. Donc voici un extrait de ce qui s'est passé au mois d'avril sur la liste, je crois, c'est ça? Oui. Alors, à la base, on avait un petit transparent qui essayait d'expliquer un petit peu le sens de toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, ces espèces de codes en début de sujet. Et puis, on s'est dit, oh, ça va faire lourd, on va leur faire peur, on va plutôt leur montrer la liste. Bon, après réflexion, je ne sais pas si c'est... En fait, c'est pire. Voilà. C'est rassurant. Donc, typiquement,
Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer d'intéressant ? Voilà. Donc, en général, le processus, l'appel à relecture commence avec un sujet en RFR, donc c'est Request for Review, je crois, dans lequel ici, Jean-Paul, par exemple, a dit « J'ai mis à jour la traduction de ddp.wml, donc la documentation. Qu'est-ce que vous en pensez ?» En l'occurrence, il n'a pas eu de réponse. Donc il a dit, il a lancé un LCFC un petit peu plus tard, donc c'est un Last Call for Comments, en disant « Attention, je vais arrêter cette relecture si personne ne m'envoie de message. » Et puis comme personne ne l'a fait, il a dit « Bon, bah, je considère que c'est bon, donc c'est done. » Et je clôt ce fil de discussion, je considère que ça a été approuvé. Donc, pour vous rassurer, là, en l'occurrence, je pense qu'on ne lui a peut-être pas répondu, mais en général, quand on relit et qu'on ne voit rien d'anormal, on lui répond hors liste pour ne pas en rajouter encore du volume en lui disant « Tout va bien pour moi, c'est bon. » Un exemple un petit peu plus... Ah bah non, c'est ça en fait. Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'il y a un problème dans l'URL, c'est ça ? Deux ? T'en as deux là. Bref. Ah oui. Bon, c'est pas grave, on considère que c'est un fil différent. Ça s'applique très bien. Donc, RFR à nouveau, j'ai traduit ça ou j'ai mis à jour telle traduction, qu'est-ce que vous en pensez ? Ici, un autre contributeur de la liste lui répond « Eh ben, figure-toi que t'as oublié un S ici, t'as mis un point alors qu'il fallait un point virgule ou quelque chose comme ça. » On répond avec « Ah oui, en effet, je me suis trompé. » Donc, je renvoie une mise à jour de la traduction. Je relance un appel à traduction. Quelqu'un d'autre lui dit « Ah, mais attendez, vous avez encore oublié quelque chose. » Et voici. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, au bout de quelques jours, on considère que soit on a attendu assez longtemps, soit on a eu assez de retours. On relance un LCFC, et puis ensuite, on considère que c'est fini. Est-ce que tu pourrais trouver un mage ou un... Donc, là, en l'occurrence, quand le fil commence par un RFR, ça veut dire que le traducteur a pris l'initiative de se rendre compte que, enfin, d'aller regarder ce qui manquait, de dire tiens, cette page dont j'avais la charge n'est plus à jour, ou alors ah, telle annonce a été publiée, je vais m'occuper de la traduire, je vais le faire tout de suite. Mais de temps en temps, voilà par exemple, je sais pas si voilà, c'est du re de mage en fait. C'est du re de mage. En fait, oui, on voit. Si, c'est bon. Voilà. On fait aussi un petit peu de coordination et de temps en temps, on envoie un message qui commence en mage pour dire hey, salut un tel, tu t'occupes de telle page ou de tel paquet, de telle documentation. Je me suis rendu compte que c'était plus à jour. Voici la nouvelle version à traduire. Est-ce que tu veux t'en occuper ou pas ? Et là, on répond soit par un ITT, donc c'est un Intent to Translate. On répond oui, je reprends je reprends mon propre flambeau en l'occurrence. Je vais m'occuper de cette traduction. Laissez-moi un petit peu de temps. Un petit peu après, on envoie le RFR qui va bien et on a à nouveau le fil et ainsi de suite. Si on peut pas, on dit juste bah non, je peux pas. Et puis on laisse la traduction disponible pour un autre membre de l'équipe. Donc tout le reste ici, c'est une pseudo-URL un petit peu compliquée. Bon, je pense que maintenant, nous, on arrive tous à peu près à comprendre de quoi il s'agit. C'est surtout pour aider le robot, en fait, qui parcourt la liste, qui met à jour les pages de coordination pour dire « Ah, bah telle page ou telle page de manuel dans tel paquet est en cours de relecture. » Donc, comme ça, on peut avoir un aperçu d'un seul coup d'œil et puis pas interférer avec les traductions en cours. Ce qui est intéressant, en fait, avec les mages, c'est que nous, on ne va pas envoyer de mage forcément quand c'est un membre de l'équipe qu'on connaît et on sait qu'il contribue régulièrement. On va juste lui envoyer un petit ping, un petit message, tiens, tu penseras, tu as tel et tel paquet à mettre à jour. Et là, c'est vraiment pour les gens, on sait qu'ils ont arrêté ou on ne sait pas trop où ils sont quelque part. Donc voilà, ça, comme a dit Thomas, ce mage va être le ping et puis le temps d'attente. Et ça permet au moins, nous, au niveau des pages de statistiques, de savoir que ce paquet, effectivement, il est bien à reprendre. On a pris contact avec la personne une à deux fois. En général, on fait au moins deux fois. Et là, on sait que, effectivement, ce paquet, on va pouvoir le reprendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est un petit détail ici. On voit, là, il y a un done pour fermer un flux. Le done, c'est parce que c'est nous-mêmes qui allons, enfin, c'est la personne, du coup, qui l'a lancé, qui va elle-même pousser la révision. Donc là, c'était du WML, donc c'est directement sur Salsa. Ben, le fichier, par Jean-Pierre, il a été poussé directement sur Salsa. Quand ce n'est pas nous qui avons les droits pour faire des uploads, par exemple, ici, on a un BTS. Donc là, Quentin, au fond de la salle, il a envoyé un BTS. C'est parce que son paquet, enfin son fichier PO, il a ouvert un bug.
est directement sur le paquet PODEPCONF, et donc après c'est le mainteneur du paquet qui lui va intégrer ça directement dans son archive. Donc c'est la petite nuance, pour fermer un flow de messages, ça va être soit un done, soit un BTS. Soit on le fait nous-mêmes, soit on le fait via ouverture de bug. Donc comment contribuer ? C'est très simple, vous en faites pas. Déjà, première chose, c'est vous voyez une erreur, quelque part dans une traduction, donc vraiment n'importe où, n'hésitez pas à nous signaler qu'il y a une traduction qui est manquante, alors que ça serait vraiment, vraiment intéressant pour les utilisateurs que ça soit traduit. On essaye de faire au maximum, ça va être vraiment le but, une installation de base, il faut qu'elle soit accessible le plus possible au niveau traduction. Donc si vous faites une install from scratch, l'idéal c'est que tout soit traduit. S'il manque des choses, n'hésitez pas à nous le dire. Pareil, vous voyez des erreurs, ça ne coûte rien. Vous nous faites soit un petit mail sur la mailing list Debian LDCR French, il y aura une réponse vraiment très rapidement, ou sinon sur IRC, la réponse ça sera encore plus rapide. Mais dans tous les cas, il y a quand même pas mal de personnes actives. C'est, dans la journée, c'est sûr qu'il y a une réponse, au moins dire c'est bon, on a bien pris en compte, on va s'occuper de ça. Et en tout cas, ça nous arrange vraiment, c'est vraiment une contribution pour tout le monde, quoi. Sinon, pour contribuer et être vraiment acteur des traductions elles-mêmes, on peut directement s'inscrire sur la mailing list. Et une fois qu'on s'est inscrit, on peut commencer à lire et relire les différents messages qui passent. Donc là, tous les sujets, comme a montré Thomas tout à l'heure, on va commencer à les comprendre aussi. Au début, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, donc il y a des pages web qui vont expliquer très bien tout ça. Mais on le trouve clair quand on le sait, en fait. Parce que quand on ne le sait pas, quand on arrive, on a des très bons exemples, c'est au début toujours très difficile, quoi. Donc la relecture, le fait de suivre un peu la liste, on va comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on va pouvoir prendre les traductions, on va prendre la traduction de la personne, on va regarder ce qu'il y a dedans. Si jamais on estime qu'il y a des corrections à faire, on fait nous-mêmes la correction dans le fichier, on fait un diff, on envoie le diff à la mailing list, et après la mailing list, celui qui a initié la traduction va pouvoir directement l'intégrer dans sa nouvelle version de traduction, et après il va faire un RFR2, pour une nouvelle relecture. Ou sinon, du coup, il y a la description des paquets, donc directement sur le site DTTSS. Donc voilà, c'est soit via la liste, soit ça. Mais la liste, c'est assez sympa parce qu'au moins, on va aussi communiquer avec des gens, on va un peu voir qui est dans la liste, et des gens très sympas. C'est bien, première fois qu'on se rencontre à aussi nombreux hier, donc c'est intéressant. Donc relire, et bien sûr, traduire. Donc là, c'est bien d'attendre un peu, déjà de comprendre comment ça marche, de voir un peu les petites habitudes à prendre, le petit espace insécable, où on le met, avant le point d'interrogation, avant le deux points, tout ça. Tous ces petits détails, au début, ça a été très déroutant pour moi. Effectivement, c'est compliqué, ou sinon, tel terme, en fait, c'est pas bien, parce que si jamais tu le changes là, on va le changer dans 40 000 autres paquets. Donc, non. Donc, c'est au début, vaut mieux laisser passer, on regarde un peu de loin, on aide, et faire la relecture, c'est déjà très bien au début. Ça apporte déjà énormément. Et du coup, après, quand il y a des ITT qui passent, à un moment, il va falloir se lancer et on va dire « Ok, moi je suis prêt ». S'il n'y a pas d'ITT qui passe pendant un petit moment, ça peut arriver aussi, il n'y a pas de mise à jour particulière ou on ne prend pas l'initiative de proposer des mises à jour, il ne faut pas hésiter à s'annoncer et se présenter sur la mailing list, dire « Salut, je suis un nouveau, j'aimerais aider, comment je peux aider ?» Venez et puis justement, on va vous accompagner, on est là pour ça, c'est avec grand plaisir. Et si jamais c'est de la contribution à plus court terme, on va dire, au niveau longévité et peut-être aussi du temps qu'on prend, la description des paquets, c'est vrai que ça peut être un bon début. Donc moi, personnellement, je n'en ai encore jamais fait de description de paquets. Donc on en a discuté hier, on avait discuté déjà il y a pas mal de temps. Et voilà. Alors, on va vite terminer. Donc c'est juste pour la postérité, quand vous regarderez les slides en vous disant mais comment je peux contribuer. Donc on a mis les liens vers quelques pages de suivi, donc c'est en gros les résultats de ce qu'observe le robot sur la liste. Est-ce que tu veux que j'en montre une par exemple? Tu peux en montrer une par exemple.
Ne prenez pas peur, c'est très coloré. Non, le tableau, il est bien. Les écrans d'EPCONF, par exemple, c'est simple. Ça va. Et c'est même une bonne nouvelle, parce que c'est souvent à partir de là que, de manière très intuitive, on récupère les fameuses adresses que vous voyez dans les mailing lists. Et elles sont là, en fait, ces adresses. Et il ne faut pas se casser la tête plus que ça. C'est souvent, si ce n'est pas fait par le coordinateur via la pièce jointe, c'est via l'objet du mail que lui-même a écrit. Et ben, vous avez la possibilité, via le robot, de comprendre à quoi correspondent les URL qui vont après RFR, TAF, ITT et autres. Alors, ce que vous pouvez voir sur cet exemple, c'est qu'on est plutôt dans le vert, et que pour deux des trois exemples qui ne sont pas verts, on est déjà dessus. Donc celui qui est tout en bas, qui est gris, qui était à 0% au départ, c'est parce que c'est tout simplement une nouvelle page. Et donc il y a déjà un bug, un rapport de bug qui a été ouvert avec la mise à jour, enfin la nouvelle traduction. Et puis pour le premier en haut, il y a aussi un bug qui est ouvert. Donc il faut juste qu'on s'occupe de X2Go Server. Ouais, Jean-Pierre, oui, pour le contacter. Du coup, vous pouvez nous écrire effectivement à notre adresse courriel indiquée. Vous pouvez aller sur l'IRC, évidemment. Bientôt, vous pourrez même rapporter peut-être un bug auprès d'un métapaquet. On est en train de réfléchir à créer un métapaquet pour la localisation en français, pour qu'on puisse aussi faciliter le rapport de bugs que vous constatez au cours de votre expérience avec Debian en français. Et puis, parce qu'on est conscient qu'il y a un vrai enjeu d'humanisation, c'est-à-dire que c'est très compliqué de tout seul se mettre face à cette documentation. Chez Debian, on est plus habitué à ça, mais malgré tout, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui mettent 15 ans avant d'y arriver. Je pense à personne à ce moment précis. Ce qui débloque souvent la situation, c'est de se voir IRL, comme on peut le faire ici, comme on peut le faire à l'occasion des stands de Debian France, où souvent c'est quand même l'équipe de localisation qui se déplace, et donc souvent c'est un bon point d'entrée. Donc venez nous voir, venez nous demander comment ça se passe, venez nous demander de vous expliquer ce jargon, parce qu'on a aussi le nôtre, et ce sera avec grand plaisir. Et puis puisqu'on est là aujourd'hui et demain, viendez, surtout, n'hésitez pas, viendez, et on répondra à toutes les questions avec grand plaisir. Sachez que vous avez compris qu'il y a donc des dizaines de milliers, et peut-être même des centaines de milliers de choses à traduire dans Debian. Et donc, toute contribution est bienvenue, parce que l'équipe n'est jamais constituée que d'une quinzaine de personnes à peu près, dont maximum 5 sont actifs de manière extrêmement régulière et dense. Donc, très clairement, tout besoin, tout soutien, quel qu'il soit, même petit, même sur une ou deux descriptions de paquets, même des simples relectures, c'est every support is welcome. Et n'oubliez pas qu'il y a un traducteur dans la pièce, ils se cachent, mais ils sont là avec nous. On ne vous oublie pas. Et c'est quasiment, notamment, il y en a quelques-uns qui sont les plus actifs. Voilà, merci à tous. Merci. On peut prendre quelques questions. English okay. Open, we also take questions in English. Il faut combien de temps pour, on va dire, s'immerger dans ce monde et pour pouvoir commencer à faire des petites traductions au début? 15 ans. Si jamais on n'ose pas venir vers la liste, ça peut prendre 15 ans, effectivement. Non, mais c'est... Et après, si jamais on vient voir la liste, qu'on rencontre les gens, qu'on discute avec eux, ne serait-ce que d'envoyer un mail pour se présenter, dire « je suis là », moi je ne l'ai pas fait au début, je ne suis pas arrivé en envoyant un mail, et du coup j'ai suivi pendant plusieurs mois, j'étais très discret, je me disais « oui, mais est-ce que je vais bien faire de faire une relecture ?» Puis après je me suis lancé, puis j'ai commencé ma première relecture, puis en fait, petit à petit, on apprend... comment ça marche, mais plus on va prendre contact rapidement, mieux ça sera au final. En vrai, dès qu'on relit, dès qu'on a pris dès qu'on s'est approprié les objets des messages là, au robot, et dès qu'on a fait quelques relectures pendant une quinzaine de jours, après on peut très vite plonger dans l'opérationnel, ne serait-ce qu'en faisant une description de paquet, on fait relire, et puis voilà, et puis après on a le pied à l'étrier, et puis après ça dépend de soi, du temps qu'on veut y mettre aussi, c'est toujours pareil. Pour ma part, j'ai commencé avec les écrans de configuration d'EPCONF, qui sont très simples. C'est quelque chose d'assez succinct, les fichiers sont très simples à traduire, donc c'est très bien, très très bien pour commencer. Alors que prendre un paquet complet, ou de prendre une traduction complète sur le site web du dernier volontaire à se présenter au projet Debian, c'est peut-être pas la bonne idée.
Oui, juste pour dire, il y a une chose qui nous a totalement échappé en préparant ce machin, c'est qu'on est aussi traducteur du wiki. Oui, oui. On l'a peine dit. C'est exact. Et c'est vrai que c'est un gros boulot. Et la francisation du wiki, c'est aussi... Alors ça, c'est pas du tout régulé, puisque non. C'est un wiki, on y va. Voilà. On ne fait pas de vérification. Il y a quelques fois, il y a eu un ou deux articles qu'on a fait passer en RFR et en relecture. Mais sinon, il y a des centaines de pages de wiki à franciser, si vous pensez qu'elles sont utiles et compréhensibles une fois qu'elles sont dans la langue qu'il faut. Voilà. Il y a beaucoup de travail. C'est vrai que peu de... C'est comme ça que j'ai commencé, moi, à faire du wiki, parce que c'était en accès libre. C'est peut-être moins intimidant. Il n'y a pas de correction, c'est encore moins intimidant. Il n'y a que des révisions, c'est pas pareil. Première fois que j'ai fait du wiki, c'était justement intéressant pour voir et mettre à jour aussi le wiki. Parce qu'on va prendre la source, premier truc, au lieu de traduire bêtement, on va essayer la page wiki. Et lire, et du coup on va se rendre compte qu'il y a des erreurs, on va corriger la version upstream, et puis du coup on va pouvoir traduire derrière. Merci beaucoup. Merci.